Ouais, donc bonjour, moi je m'appelle Fabrice Lapier, je suis gérant de la société LD Contrôle. J'ai travaillé dans le bâtiment et travaux publics depuis, ça fait 17 ans, dans le contrôle. Et avec le groupe Vicat, en fait, on avait réussi à ouvrir une agence sur Aurillac lors de la construction du tunnel du Luron et du viaduc de Millau. Suite à ça, la direction Vicat, en fait, a décidé de fermer l'agence d'Aurillac. Et en fait, m'avait demandé si on était intéressé pour racheter ce laboratoire. Donc j'ai fait une table ronde avec les salariés qui étaient avec moi dans le labo. Et on a convenu en fait de s'associer et racheter le laboratoire. L'avantage de LD, c'est que bon, on travaille depuis, enfin, la structure ancienne avait 5 ans. Donc Laurent et Nicolas, ça faisait 5 ans qu'ils fonctionnaient. Donc eux ont leur réseau de connaissances parce qu'ils ont été sur les sites, ils ont rencontré des gens. Et moi, ça fait 15 ans que je le fais, donc bon, je connaissais aussi beaucoup de monde et c'était relativement intéressant. Alors ces gens nous appellent, on intervient, on fait des missions. Les missions sont très simples, elles vont d'un suivi de bétonnage à des analyses de carrière, à des analyses de centrales à béton. Ensuite à ça, on fait du conseil, donc on est conseil, mais on n'est pas bureau d'études. Aujourd'hui, LD, ça représente 4 personnes, plus moi en tant que gérant non salarié de la société. Voilà, on a repris le portefeuille client qu'on avait et maintenant on vient de déménager, on a investi assez lourdement sur le bâtiment et on va innover dans de nouveaux essais qu'aujourd'hui on ne savait pas faire, qu'on ne savait pas traiter et qu'on sous-traitait à d'autres laboratoires. Alors ces contrôles, c'était tout ce qui était lié aux essais intrinsèques des matériaux. Alors ça va peut-être pas trop vous parler, mais c'est bizarrement, quand on a une roche pour une carrière ou du sable pour une carrière, on va définir son poids, donc sa masse volumique ou sa densité. Après, c'est son absorption d'eau, c'est des éléments qui sont très importants dans la formulation de béton. Si on prend le bassin Aurillacois, ça représente 7% de l'activité de LD Contrôle. Si on prend le département, ça représente à peine 12%. Et toute l'activité, en fait, va de Millau jusqu'à Clermont, Châteauroux, Bourges. Et sur les côtés, on va jusqu'au Puy. Et de l'autre côté, on va jusqu'à Brive, quoi, à peu près. Et on descend sur le 24. Bon, on a une zone d'activité qui est relativement grande. Bon, après, on a toujours idée de développer d'autres essais encore. Bon, qui seront plus sur la chimie, mais qui demanderont déjà du personnel encore plus compétent. Donc, ça se passera par des recrutements supplémentaires. Aujourd'hui, je dirais qu'on est parti pour déjà faisons tout ce qu'on a mis en route, faisons-le bien et pérennisons les choses et ce sera une très bonne chose. Je pense qu'on a déjà de quoi vraiment travailler, quoi. Après, on a quand même d'autres projets sur des créations de laboratoires sur l'extérieur ou des antennes relais où on pourrait acheminer les essais sur le laboratoire central qui sera celui d'Aurillac en fait. Parce que quoi qu'il se passera, si LD se développe sur d'autres laboratoires, en fait, le siège social restera à Aurillac et le laboratoire central sera à Aurillac. Donc on fera migrer les essais sur le laboratoire principal, quoi.